l'enfant. Où est la sœur Audrey que j'ai vue là? Je vais aussi prier pour elle. Je vais prier pour l'enfant. I want to pray for the child. Lift up your hands. Lève tes mains. Sing amazing God. Amazing God. Sing amazing King. Amazing King. Sing amazing God. Amazing God. Hallelujah. Amazing King. Baba shata brada bosse prekede. Manta la basso brodo. Somebody go to it. Je vais deux personnes avec deux micros. Oh, amazing God. Amazing. Amazing God. Amazing God. Jesus, amazing King. Amazing King. Amazing God. Your name. Ton nom c'est quoi, jeune homme? L'autre jeune homme. What's your name? Antoine Temi. Sors comme ça à la côté d'elle. Come out. Lève les mains vers le ciel. Raise your hands to heaven. Dans le règne de l'esprit. In the realm of spirit. Je vois devant toi une porte ouverte. I see a door open before you. Mais je vois des ennemis placés à cette porte. But I see enemies standing at that door. Et ils disent il n'entrera pas. And they say he wouldn't enter. J'entends le Seigneur me dire. I hear the Lord telling me. De prier pour toi pour briser l'esprit d'avortement du succès. For you to pray against the spirit of success abortion. Amen. L'esprit, quand tu arrives, la porte est ouverte. When you reach, the door is opened. Mais dès que tu veux entrer, c'est là où ça se ferme. When you want to enter, that's when it's locked. À chaque moment de ta vie, dès que la porte s'ouvre, tu veux entrer, ça at se ferme. At every moment in your life, when you want c'est to enter. C'est pas ce qui se passe. The door is locked. Isn't it what's happening? Si, c'est ça. C'est ça. J'ai envie de prier pour toi. I want to pray for you. Merci mon prophète. Parce que le Seigneur m'a montré quelque chose. The Lord showed me something. Oh my God. Oh my God. Mon Dieu. Qui est Emily? Who is Emily? In the realm of the spirit. Dans le règne de l'esprit. Dans le règne de l'esprit, j'ai avancé ce que j'ai vu. This is what I saw. J'ai vu une personne qui n'est pas au Cameroun. I saw somebody who is not in Cameroon. Hein? Oui, mon prophète. Et j'ai vu la personne. And I saw this person. Volontaire pour te donner de l'aide. Willing to help you. Oui, mon prophète. Mais seulement dans la maison de ta mère. But only. 1, 2, 3, 4. In your mother's house, 1, 2, 3, 4. Il y a comme un sort de malédiction, de rejet. There's like a. Combien de garçons? A spell of rejection. How many of nous you? Nous sommes deux. How many boys? Combien d'enfants en tout? How many children in total? On est six. Non, je parle du ventre de ta mère. I'm talking about your mother's womb. Six. 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 Qui est le quatrième? Who is the fourth? Une grande sœur. Elle s'appelle comment? What's her name? Agnès. Elle est où? Where is she? À Bastos. In Bastos. Dans le règne de l'esprit, j'ai vu un sceau. In the realm of the spirit, I saw a seal. Au niveau de son ventre. At the level of her stomach. J'ai vu un poison. I saw a poison. J'ai vu quelque chose grandir. I saw something growing. J'ai vu quelque chose grandir. I saw something growing. Et alors où je suis en train de te parler, cette chose est en train de lui poser des problèmes. That thing is causing problems. Je vois des problèmes. I see problems. Je vois des problèmes de rejet. I see rejection problems. Je vois des problèmes de santé. I see health problems. This lady will have been one of the major help of your family. Cette femme aurait été une des plus grandes aides de votre famille. Oui, mon prophète. But she's been attacked. Mais elle est attaquée. Seriously attacked. Sérieusement attaqué. As I'm talking to you right now. Pendant que je te parle. I saw four. J'ai vu quatre. And the Lord said I should pray for the. Et le Seigneur m'a demandé de prier pour. For the fourth child. Pour le quatrième enfant. As I pray for you, I pray for her. Pendant que je prie pour toi, je prie pour elle. Amen. Tout héritage qui vous appartient qui a été volé, je rapatrie ça chez vous. Amen. Amen. Souverain de Jésus. Amen. In the name of Jesus.
Est-ce que tu as ton passeport? Do you have your passport? C'est expiré. Mais je suis sur le point de refaire un autre. Je veux que tu fasses ton passeport rapidement. I want you to do a passport quickly. Amen. Laisse-moi t'expliquer. Allow me to explain. Tu es arrivé à un point de ta vie où tu étais dans un dilemme. You reached a point in your life when you were in a dilemma. Tu ne savais plus quel pas faire. You didn't know which step to do. Et quand tu étais placé là, and when you were standing there, voici l'image que j'ai vue. This is the image I saw. J'ai vu une jeune fille à côté de toi. I saw a young girl next to you. Avec un enfant. With a child. Qui me semblait être un enfant garçon. Which seemed to be a male child. Oui, mon prophète. Who is this girl? Qui est cette fille? C'est une ancienne amie. Do you have a child with her? Tu as un enfant avec elle? Oui. Un enfant garçon? Un garçon. Oui. How old? Quel âge? Merci, mon prophète. Professeur et papa. Dans le règne de l'esprit, in the realm of spirit, quand j'ai vu ça, when I saw this, le Seigneur m'a dit, brise le cercle qui le fait tourner et qui empêche aux said, gens de l'aider. Break the cycle, amen, making him to turn around and preventing people from helping him. Donne-moi le lion de la tribu de Judas. Give me the lion of Judah. Professeur et papa. Approche. Come forward, le come forward. Divin. Approche. Come forward. Je ne sais pas si je vois bien. I don't know if I'm seeing correctly. Mais dans le règne de l'esprit. But in the realm of spirit. Ta bagarre n'a pas commencé à cause de toi. The battle didn't begin because of you. Dans le règne de l'esprit. In the realm of spirit. Il y a une femme. There is a woman. Il y a une femme. There is a woman. Il y a deux femmes qui étaient en conflit par rapport à un homme. There are two women in a conflict concerning a man. Et c'est là où ta bagarre commence. And that's where your battle began. Your father, is it alive? Ton père est vivant? Oui, prophète. How many wives does he have? Il a combien de femmes? Il avait trois. Il ne reste plus qu'une seule. Il ne reste plus qu'une seule. He had three. One is left. Il y avait une femme. There was a woman. Son deuxième prénom c'était Emily. Her second surname was Emily. Son surnom, j'entends quelque chose comme on l'appelle Ma. I hear her being Ma. Called Ma. 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 Dans le règne de l'esprit, j'ai vu un hôtel. In the realm of spirit, I saw an altar. Je dois parler. Professeur, papa. Should I say this? Ta mère a subi. Your mother suffered. Énormément de morts prématurées de ses enfants. A lot from premature death of her children. Énormément. A lot. Énormément. A lot. Je parle de ta mère biologique. I'm talking about your biological mother. Sinon, vous ne deviez pas être le nombre que vous êtes. You are not supposed to be the number you are right now. La raison pour laquelle elle a subi ça, c'est à cause de cette femme-ci. And the reason why she suffered this is because of that other woman. Normalement, dans le règne de l'esprit. Normally, in the realm of the spirit. Tout vous était favorable. Everything was favorable for you. Mais elle vous a refusé votre héritage spirituellement. But she refused your inheritance spiritually. Et physiquement, votre maman a été rejetée. And physically, your mother was rejected. Et vous-même, vous avez été dépouillé. And you too were robbed. Je ne sais pas, on s'est déjà vu. Have you ever non. met? On s'est déjà parlé. Have non. you ever spoken? Sur Facebook. On Facebook. Non. Sur WhatsApp. Or WhatsApp. Non, jamais. Never. Parce que je vais vérifier. Because I want to check. Et ce que je suis en train de faire quand je vais mettre l'huile sur ta main. What I'm doing when I put oil on your hand. C'est pour que tu récupères tout. It's for you to recover amen. Everything. Chaque fois que tu es sur le point de prendre quelque chose. Every time you are at the point of taking something. Soit la chose disparaît. Either the thing disappears. Soit tu prends la chose et tu n'arrives à rien faire. Or you take the thing and you can't do anything with it. Et les gens autour de toi disent pourquoi il n'arrive à rien faire, rien. And rien the people faire. Around you say, why can't he do mais anything? Mais les gens ne savaient pas qu'il y avait un esprit de manipulation. But they didn't know there was a spirit of manipulation. Il y a un garçon avant toi. There's a boy oui. before you. Lui c'est encore catastrophique, pire que toi. For him it's even worse than your case. Parce que ce qu'il devrait because être. What he was supposed to be. Il n'est pas la moitié. He's not even half of it. On l'a livré à un hôtel. He was given to an altar. On l'a livré à l'hôtel. He was given to an altar. On l'a livré à l'hôtel. He was given to an altar. Father, je oins sa main. Amen. Father, I know mets sur ta tête. Put on your head. Comme je mets l'huile sur sa tête. As amen. I put oil on his head. Je brise toute forme de joug. Amen. Break any type of yoke. Je brise toute forme d'enchantement. Amen. Every type of enchantment. Je commande la récupération. I command recovery. Ce qu'il espérait depuis longtemps qui était fermé. What he had been expecting for long, which was j'ouvre closed. Les portes pour lui. Amen. I open the doors. Au nom de Jésus. Amen. In the name of Jesus. Amen. Amen. Regarde-moi. Look at me. Je sais que l'ennemi a mis le conflit entre vous et Agnès. I know enemy put a conflict between you and Agnès. Il y a beaucoup de mésententes dans votre famille restreinte.
There's so many misunderstandings in your family. Même avec la nièce que je suis en train de parler. Even with the Agnes I'm talking about. Mais dis-lui. But tell her. Hein? Oui, okay. Qu'il y a un prophète qui a prophétisé. That a prophet Amen. Prophesied. J'ai sa photo devant moi. Je peux sortir sa photo de ma tête. I have a picture before me. I can take out her picture from my head. Au fait, j'ai l'adresse de sa maison. In fact, quand I have the address of her house. Amen. Dis-lui que. Tell her. Most general. Most general. Yes. Réparateur de brèches. Alléluia. Bridge fixer. A dit qu'elle a 6 mois. Said she had 6 months. Elle va témoigner. She will testify. C'est tout ce que j'avais à dire. That's all I wanted to say. Come on. Si tu te connectes, ça vient chez toi aussi. Alléluia, je me connecte. Oh, oh, oh. Oh, oh. Quand je mets lui sur tes mains, tu devrais mettre sur tes mains et mettre sur ta tête aussi. Amen. Why am I calling you? Pourquoi je t'appelle ma fille? Why am I calling you? Nous sommes au premier culte de l'année. We're in the first service of the year. Si je te parle, il faut me comprendre. If I talk to you, you must listen. L'enfance est un cadeau, mais l'endroit où tu es, ce n'est pas ton endroit. This child is a gift, but where you are is not where you are supposed to be. Si tu persistes, tu vas souffrir et tu vas t'apercevoir tard. If you persist, you will suffer and you will notice it. Que tu es au mauvais endroit. Late that you were at the wrong place. Porte-le maintenant, je l'ai déjà oué. Carry him, I've anointed him. Dans le règne de l'esprit. In the realm of spirit. Quand Dieu vous aime. When God loves you. Il ne vous laisse pas vous égarer. He doesn't allow you to go astray. Il vous parle avant le temps. He speaks before time. Si Dieu ne t'aime pas, il ne parle pas de toi. Amen. If God doesn't love you, he doesn't speak about you. Si Dieu ne t'aime pas, il s'en fout de toi. If God doesn't love you, he doesn't care about you. La Bible dit que quand ils sont énervés, Dieu ne les parlait plus ni par. The Bible says when they annoyed God, he didn't speak to them. Neither through dreams, visions, nor prophets. Il y a un totem. There is a totem. Dans la concession de ton père. In your father's house. Et il y a une femme qui nourrit le totem ici. And there's a woman feeding this totem. Et le totem ici a dit que l'égarement, and this totem said, you go astray. Deuxième chose, il a dit la honte. Second thing, it said shame. Troisième chose, il a dit l'échec. Third thing, it said failure. Dieu a dit que le signe par lequel. God said the sign through which. Tu sauras qu'il t'aime. You know he loves you. Lorsque tu vas l'obéir. Is when you obey. Amen. C'est que non seulement il va te donner le bac. Not only will he give you the A level. Mais il va te donner un emploi sérieux. But he'll Amen. Give you a serious job. Amen. Je ne suis pas un prophète de malheur. I'm not a prophet of woes. Mais quand je parle. But when I speak. Ceux qui sont sages respectent ma parole. Those who are Amen. Wise respect my word. Amen. Oh, 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 oh. Help me carry this child. Let me pray for her. Does your people well? Come on. Yeah. Oh. Amazing King. Amazing King. Oh. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. I bind the spirit of manipulation. Je lis l'esprit de manipulation.
par le mandat prophétique de mon appel. Amen. The prophetic mandate of my calling. J'arrête toute force d'envoûtement. I stop every power of abortion. J'arrête. I stop toute force de manipulation. Amen. Every power of manipulation. Toute programmation pour voler ton étoile. Any programmation to steal your star. Ramasse au prêt dans la balle. Lisa, leave her alone. Place-toi comme tu dois te placer, frère. Le cabrantos kobo. Idobos kebedea. Mantorobodos kidabayenda. Asoprande kafalia. Ushers help. Masoprodos kitavala. Amen. Au nom de Jésus que je prêche. In the name of Jesus I preach. Au nom de Jésus que je prêche. In the Amen. Name of Jesus I preach. Je me dirige dans votre concession. Amen. I go into your house. Je me dirige dans votre maison familiale. Amen. I go into your family house. Je commande. I command. Je commande. Amen. I command. Toi qui es descendu avec son étoile dans les toilettes. You went down with her star in the toilets. Je récupère. Amen. I take it back. Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ. I command you in the name of Jesus Christ. La manipulation a duré longtemps. That manipulation has lasted for long. Ton travail a duré longtemps. Your work has lasted for long. Je m'adresse à toi. I'm talking to you. Redonne. Give back. 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 Redonne. Amen. 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 Tout hôtel bâti dans tes entrailles. Any altar built in your womb. Tout hôtel bâti dans ton ventre. Every altar built in your stomach. Pour ruiner ta vie. To ruin your life. Le feu du Saint-Esprit. Holy Ghost fire. Le feu du Saint-Esprit. Prêt. 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 Holy Ghost fire. Partout là où on a enterré ton étoile. Everywhere your star was buried. Je commande tu récupères. I command you recover it. Je commande tu récupères. Je reçois. I command you to recover it. Tout esprit humain. Any human spirit. Investi pour détruire ta vie. Invested to destroy your Je life. Je détruis ses projets. I destroy his projects. Ce qui a été fait contre toi. What was done against you? Pour humilier ton existence. To humiliate your existence. Je détruis ses effets maintenant. Amen. I destroy its effects right now. J'arrête la tête du serpent et je l'écrase. Amen. I hold the snake's head. J'arrête la tête du serpent et je l'écrase. Amen. I crush J'arrête la tête du serpent et je l'écrase. Amen. J'arrête la tête du serpent et je l'écrase. Amen. J'arrête la tête du serpent et je l'écrase. Amen. I crush the snake's head. Dans le nom de Jésus. Amen. In the name of Jesus. Père, au nom de Jésus. Father, Amen. In the name of Jesus. Glorifie-toi et exauce-moi. Amen. Glorify yourself and answer me. Toi, reine de l'eau. You, queen. Qu'on a invoqué contre la vie de cet enfant. Which was summoned against the life of this child. Je détruis ta main sur sa vie. I destroy Amen. Your hand on her life. So. Come out. So. Amen. Leave. So. Amen. So. Amen. So. Amen. So. Amen. So. Amen. Put your hand on your head. Mets ta main sur ta tête. Peu importe que ce soit la maladie, que ce soit un démon. No matter whether it's sickness or a demon. Je forme d'oppression sur ta vie. I break Amen. Every type of
Je prie toute forme d'oppression sur ta vie. Amen. Every type of oppression on your life. Si c'est un poison, commence à vomir le poison. If it's a poison, amen. Start vomiting si c'est un envoûtement, commence à vomir l'envoûtement. Amen. Start vomiting. Je prie toute forme d'oppression sur ta vie. Amen. Au nom de Jésus Christ. Amen. In the name of Jesus Christ. Thank you, Lord. Merci, merci Jésus. Je reçois. Je reçois. Je reçois. Kalamando roboski labantaza. Je reçois. Break. Breeze. I break. Je brise. I break. Amen. 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 Toute forme d'enchantement. Every type, every Tout form of enchantment. Every form of bewitching. Ta... On your life. Je nomme. Young Amen. Man. Je brise. I break. Amen. It. Je commande que la chose qui contrôle tes émotions, contrôle tes sentiments, contrôle tes I pensées. I command the thing controlling your emotions, your thoughts. Qu'elle perde son pouvoir maintenant. To lose Amen. Its power right now. La Bible dit qu'à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchira. At the mention of the name of Jesus Christ, toute every knee shall bow. Confessera. Every tongue shall que confess. Que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. That Jesus Christ is Lord. Maintenant, maintenant. Right now, right now. Maintenant, maintenant. Amen. Right now, right J'ordonne now. J'ordonne ta délivrance. I command the deliverance. Tu as condamné. What you have exposed, you have condemned. Merci. Thank you. Par le pouvoir de ta grâce. By the power of your grace. Je libère ce garçon. I release this young boy. Par le pouvoir de ta grâce. By the power of your grace. Je libère ce garçon de cet envoûtement. I release this boy from this bewitching. Je libère ce garçon de cet envoûtement. I release this boy from this bewitching. Je le remets en homme. Amen. Comme tu l'as créé. Amen. I bring him back to how you created him. I call his manhood. I call his manhood. J'appelle sa virilité. I call his manhood. J'appelle sa virilité. I call his manhood. J'appelle sa virilité. Kabande koboko sande valadia. I call his manhood. J'appelle sa virilité. I call his manhood. J'appelle sa virilité. I call his manhood. J'appelle sa virilité. Bring me anointing oil, please, from his family. Apportez l'huile. From his family. De sa famille, de sa famille. Come, let the parent come. Que le parent vienne. Kneel down. Oh,
May God have mercy. May His grace help you. I command you to recover. Amazing God. Jesus. Amazing King. Okay. Amazing God. Thank you, Jesus. I have prophesied already. J'ai déjà prophétisé. I will not prophesy back. Je ne vais pas prophétiser une deuxième fois. But I will start a spiritual walk. Mais je vais commencer un travail spirituel. With him. Avec lui. I will give him the program just after the service. Je lui donnerai le programme après le culte. Okay. Okay. God has delivered him. Dieu l'a délivré. I want him to be restored. Je veux qu'il soit restauré. I also want you people to help me. Je voudrais aussi que vous m'aidiez by helping him to keep on coming to church. En l'aidant à venir à l'église. Secondly, deuxièmement, I want you to help me. Je voudrais que vous m'aidiez by not keep on talking to him and emphasizing. En ne pas lui parlant tout le temps et mettant of what I've said. Sur ce que j'ai dit. Please. Okay? S'il vous plaît. God bless you. Come, my dear. Are you the sister? Yes. Come. Let me also pray for you. Que je prie aussi pour toi. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. Shift. Chris. 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 Congratulations. God bless you. Put your hands together for Jesus. Stand up on your feet. Let me make the final prayer. Tiens-toi debout que je fasse la prière finale. Stand up on your feet. Tiens-toi debout. 2020 shall be a blessed year for you. 2020 sera une année bénie pour toi. Stand up on your feet. Mets-toi sur tes pieds. January shall be the beginning of favor and grace in your life. Janvier sera le début de la faveur et la grâce dans ta vie. 2020. The hand of God shall be mightily upon your business. Les mains de Dieu seront sur tes affaires. And every affair of your life. Et tous les domaines de ta vie. I decree unto you. Je décrète. It shall be your year of double portion. Ça sera ton année de double portion. God shall favor you financially. Dieu va te favoriser financièrement. He shall favor you maritally. Il va te faire grâce maritalement. He shall favor you spiritually. Il va te faire grâce spirituellement. He shall favor you professionally. Il va te faire grâce professionnellement. I decree and I declare. Je décrète et je déclare. That the manifestation of your prophetic destiny. Que la manifestation de ta destinée prophétique. Has come this year. Est arrivée cette année. Any hidden prophecy. Toute prophétie cachée. Any delay prophecy. Toute prophétie retardée. You shall see it this year. Tu la verras cette année. In the name of Jesus. Au nom de Jésus-Christ. Say amen three times. Dis amen trois fois.